Mon père était chercheur dans la chimie. Comme passe-temps, il était amateur de radio. On entendait, mon frère et moi, j'avais 4 ans, on entendait tous ces petits sons des ondes courtes. On a demandé dans ce temps ce que c'était, et un jour il nous a essayé d'expliquer que c'était des sons qui venaient de très très loin. Et on nous a cherché un jour parce qu'on était en train de chercher les sons. On a regardé partout, on a écouté, on a entendu des trains, de toutes sortes de sons, des animaux en effet, mais pas les mêmes sons. Alors, avec l'âge, je peux dire que je suis toujours en train de chercher d'où ils viennent. Et qu'en effet, je me suis construit des instruments dans les années avec lesquels j'arrive à les retrouver de temps en temps. Ici, on a un instrument qui consiste de senseurs qui sont construits là-dessus. Il y a un petit ordinateur qui s'appelle le Sensor Lab. Et cet ordinateur traduit les changements dans les senseurs qui sont provoqués par mes doigts et la position des mains. Il traduit ça en un signal MIDI, ce qui est une sorte d'espéranto pour synthétiseur. Et ces signaux MIDI sont, dans ce cas-ci, envoyés dans ce système ici. Alors, il y a toutes sortes de senseurs sur les mains. Il y a des touches avec lesquelles je peux faire des mélodies. Je peux en plus jouer les deux mains séparées. Cette main, je peux jouer des notes très haut. Et ici, je pourrais faire très bas. C'est toujours le même son. Je peux changer les octaves comme ça. Et je peux secouer. Et en principe, ici, les deux petits capteurs, c'est un système sonar qui mesure la distance entre les deux mains. Registre. Oui, je fais des drôles de slow. Il y a souvent cette possibilité de construction, de déconstruction, de distorsion. Il y a l'idée qu'un son déformé, ce n'est pas simplement un son déformé, mais que c'est une entité en soi, que c'est une partie de la musique. Pour moi, c'est totalement normal.
Thank you.